Bonjour, bienvenue dans le cours de reflet. 同学们大家好，在上一讲当中我们学了不少语法，现在呢终于可以开始学课文了。好，接下来我们就进入第二十单元的课文细细讲。第二十单元会讲一些什么呢？我们看到法语的标题叫做 C'est le meilleur, c'est le meilleur, 然后教材上面的中文翻译是你是最好的。其实这两个翻译之间呢不是完全的一一对应的，至少 c'est le meilleur 这个中间呢并没有出现你这样的字眼。好，先来看第一段视频。Tu veux vraiment me faire avancer là-dessus? Bah oui, c'est mieux que de me suivre à pied. Pourquoi? Parce que c'est moins fatigant. Tu plaisantes? C'est aussi fatigant que de marcher à pied. Peut-être même plus. Tu as peut-être raison, mais c'est plus amusant. Ça dépend pour qui. Voilà. Le patin, ça te plaît autant que le judo? C'est pas pareil, mais ça demande autant de concentration. Épisode 20, c'est le meilleur. Sur un terrain de sport, en patin à roulettes. Tu veux vraiment me faire avancer là-dessus? Bah oui, c'est mieux que de me suivre à pied. Pourquoi? Parce que c'est moins fatigant. Tu plaisantes? C'est aussi fatigant que de marcher à pied. Peut-être même plus. Tu as peut-être raison, mais c'est plus amusant. Ça dépend pour qui. Le patin, ça te plaît autant que le judo? C'est pas pareil, mais ça demande autant de concentration. On me canard. Eric 和 Pascal 在一块儿，那么 Pascal 呢？他在往脚上套什么东西？具体是什么？是轮滑鞋。那么我们看到旁白上是这样写的 ：Sur un terrain de basket, Pascal et Eric mettent des patins à roulettes. Un terrain de basket, 篮球场。这个故事发生在篮球场上 ，sur un terrain de basket。但是我为什么感觉满地都是灰呢 ？Des patins à roulettes, 轮滑鞋。其中这个 roulette 那个词呢挺有意思的，我们知道 une roue 是什么意思啊，轮子 une roue， 然后加上 e 呢表达的是小的词缀，所以呢 roulette 就是小轮子。哎，我们看到 patin roulette 它不是那种冰刀的滑冰鞋，而是带有小轮子的溜冰鞋，所以我们翻译成叫做轮滑。 Pascal et Eric mettent des patins roulette， 他们两个人在穿轮滑鞋。 Pascal 说Tu veux vraiment me faire avancer là-dessus? 你真的想让我在这个上面前进吗？这个是我们的意义。那么它的字面意思是什么呢？ Tu veux vraiment? 你真的想 me faire avancer? 相当于说 faire avancer moi? 它是一种什么样的结构啊？使动结构。faire quelqu'un. Tu veux vraiment me faire avancer là-dessus? 你真的想让我前行在这个上面吗？那么在这个上面具体指什么呢？指的是在轮滑鞋上面。là-dessus。avancer 呢是前进的意思。Eric 说 ,ben oui, c'est mieux que de me suivre à pied。是啊，这样的话要比你走着跟着我更加好。也就是说我如果滑轮滑而你在后面走的话，那不是速度很不一致吗？ ben oui, c'est mieux que de me suivre à pied。那么 c'est mieux que, 如果后面跟名词那就没有问题。如果后面跟的是动词的不定式呢，就需要加一个的，因此这里有一个的 c'est mieux que de me suivre à pied， 不定式是那个 suivre。 Pascal 说 pourquoi， 为什么你会这么觉得呢？ Eric 回答 parce que c'est moins fatigant， 因为这样的不太累人，不容易疲倦。 parce que c'est moins fatigant， 动词 fatiguer 结尾的 fatiguer 使某人疲倦，比如 ce travail me fatigue。Ce travail me fatigue，
这个工作让我觉得很累。接着有一个形容词，来自于这个动词的过去分词形式 fatigue， 最后是 accent aigu 结尾的，表示什么呢？表示疲倦的。Je suis fatigué, je suis fatigué， 我很累。那么现在分词转变而来的形容词又代表什么意思呢？表达的是主动意义。因此呢 fatigant 就是累人的。C'est moins fatigant， 因为这样呢它不太累人。如果我在轮滑鞋上而你在后面跟着跑的话呢，就非常的疲倦了。Parce que c'est moins fatigant。 Pascal 一听这个话说 Tu plaisantes， 你开玩笑吧，怎么可能呢？动词 plaisanter， 开玩笑。 Tu plaisantes， c'est aussi fatigant que de marcher à pied。 C'est aussi fatigant que de marcher à pied。 那么这里的 aussi fatigant 呢，指的是同样的累人，然后有个 que， 我们知道在 que 这样的表示比较的连词的后面呢，如果加动词的不定式要有一个 de。 C'est aussi fatigant que de marcher à pied， peut-être même plus， 也许甚至会更加累人哦。看来 Pascal 还是有一点先见之明，也有一点自知之明。 peut-être 也许， même 甚至于， plus 更加多， peut-être même plus。 Eric 说 Tu as peut-être raison， 也许你说的对哦。Tu as peut-être raison, mais c'est plus amusant. 啊，这个才是关键嘛。Mais c'est plus amusant. 但是呢，这样比较好玩，对吧？走啊，跑啊，有什么意思呢？在轮滑上前进，那才有意思呢。Mais c'est plus amusant. Amusant. 这个我们在 episode 1里面就学过了。有趣的，有意思的。Pascal 说 Ça dépend pour qui? 这个取决于对谁来说。也许对于你这样滑得比较好的人来说，那就是比较有意思。那对于我来说就不见得了。 C'est des bons pour qui， 这个要看是对谁来说了。 Pascal et Eric en patin à roulette se suivent， 这里的一个 en 代表什么呢？是代词还是介词？当然它是介词。 en patin à roulette 表达的是乘坐了某一个交通工具，他们俩在轮滑鞋上。 se suivent 互相之间跟着啊，事实上不可能互相之间跟着，那我们可以翻译成一个跟着另外一个。动词如果不是自反的话，那就是 suivre， 如果自反呢，就是 se suivre。 Pascal a du mal à rester debout， avoir du mal à 加一个动词不定式，表示有困难做到某事情，很难做到某事情。 Pascal a du mal à rester debout， rester debout 就是保持站立的姿态，他站都站不住。 Pascal 说 Le patin ça te plaît autant que le judo？ te plaît表示让你喜欢，或者直接就翻译成你喜欢它也可以的。Le patin ça te plaît autant que le judo， 轮滑让你喜欢的程度同柔道让你喜欢的程度是不是一样呢？你更喜欢哪一个呢？ Eric 说 C'est pas pareil， 这两个不一样的，怎么能比较呢？ C'est pas pareil mais ça demande autant de concentration， ça demande autant de concentration， 但是呢它要求同样的什么东西啊？ concentration，集中注意力。 autant de 同样多的， ça demande autant de concentration， 他们都要求同样多的集中注意力。好，我们来回看视频。 Tu veux vraiment me faire avancer là-dessus ? Bah oui, c'est mieux que de me suivre à pied. Pourquoi ? Parce que c'est moins fatigant. Tu plaisantes ? C'est aussi fatigant que de marcher à pied. Peut-être même plus. Tu as peut-être raison, mais c'est plus amusant. Ça dépend pour qui. Voilà. Le patin, ça te plaît autant que le judo ? C'est pas pareil, mais ça demande autant de concentration. Épisode 20, c'est le meilleur. Sur un terrain de sport, en patin à roulettes. Tu veux vraiment me faire avancer là-dessus ? Bah oui, c'est mieux que de me suivre à pied.
Pourquoi? Parce que c'est moins fatigant. Tu plaisantes. C'est aussi fatigant que de marcher à pied. Peut-être même plus. Tu as peut-être raison, mais c'est plus amusant. Ça dépend pour qui. Le patin, ça te plaît autant que le judo? C'est pas pareil, mais ça demande autant de concentration. 好，接下来会发生什么呢？我们继续往下看。T'as déjà fait du hockey en patin à roulettes? Quelques fois. Plusieurs. De toute façon, c'est pas pour moi. Pourquoi pas? Entraîne-toi. Essaie d'aller un peu plus vite. Hein. Penche bien le corps en avant. Plie les genoux. Comme ça. Quel professeur! Tu trouves vraiment ça moins fatigant que la marche à pied? À mon avis, c'est surtout le meilleur moyen de se casser quelque chose. Bon, viens, on va remettre nos chaussures et faire quelques paniers. Ça va t'avantager, t'es plus grand que moi. T'as déjà fait du hockey en patin à roulettes? Quelques fois, mais faut être plusieurs. De toute façon, c'est pas pour moi. Pourquoi pas? Entraîne-toi. Essaie d'aller un peu plus vite. Hein. Penche bien le corps en avant. Plie les genoux. Comme ça. Quel professeur! Pascal tombe. Tu trouves vraiment ça moins fatigant que la marche à pied? À mon avis, c'est surtout le meilleur moyen de se casser quelque chose. Bon, viens, on va remettre nos chaussures et faire quelques paniers. Ça va t'avantager, t'es plus grand que moi. C'est Eric 比较了 judo 和 patin à roulette 区别以后呢 ，patin à roulette 怎么翻译啊？叫做轮滑或者是旱冰。Pascal 继续问。Tu as déjà fait du hockey en patin à roulette? Hockey 是曲棍球，这本身是一个英语词，借用到法语里边来。Tu as déjà fait du hockey en patin à roulette? 你有没有踩在轮滑鞋上打过曲棍球呢 ？Eric 说 ，quelquefois 是有时候，偶尔，也就是说，他表示他有的时候会打，偶尔会打一下。Mais il faut être plusieurs.什么叫做 il faut être plusieurs? 必须要什么？必须要 plusieurs, 多个人。一个人能打吗？当然是不能打。必须有很多人一起才能参加这个运动。Mais il faut être plusieurs 可以是形容词，但是在这里呢，它是代词，表示多个人。Pascal 说 De toute façon, c'est pas pour moi. 不管怎么说，我是玩不了这个。De toute façon, 字面上来说 ,façon 是方式方法。Tout 是所有的，但是呢，它是一个词组，所以 de toute façon 不管怎么说 c'est pas pour moi 字面上呢是这个不是为了我的，给我的，实际的意思呢，我真是玩不了这个。Eric 当即就表示反对，不管吧，为什么不行啊 ？Entraîne toi 你要训练呐、啊，要练习呀、啊。Entraîne quelqu'un 训练某人，而这里呢是 entraîne toi 训练你自己。当然这种表述不是那么的精确哦，严格来说它是一个自反动词的命令是 s'entraîner 自己训练自己锻炼，然后呢如果是命令是 entraîne toi 你要进行训练啊，你要练啊 essaie d'aller un peu plus vite 你要尝试着滑得更快一点，动词 essayer 尝试 essayer de faire quelque chose 尝试做某事 essayer d'aller un peu plus vite 要试着滑得更快一点嗯，后面还有一个语气词嗯。Penche bien le corps en avant 身体向前倾一些，动词 pencher 使什么什么东西倾斜，
penchez bien le corps. 那么它的宾语实际上是 le corps. Bien 是加强语气。Penche bien le corps. 身体要尽量倾斜一些。En avant, 往前。往前倾斜。Plie les genoux, 要把膝盖折叠起来。哇哦，好奇怪的句子。Plier, 折叠什么东西。Les genoux, 是膝盖的意思。那么把膝盖折叠起来指的是膝盖要弯曲。不能绷得很直，那样呢是溜不好的。Plie les genoux, comme ça, 哎，看，像我这样 ,comme ça。听他说到这里呢 ,Pascal 说 ,quel professeur, 这种结构大家还记得吗 ?quel 加上一个名词表达对这个名词的感叹感慨 ,quel professeur。在这里呢我们可以翻译成真是一个好老师啊。本来 Pascal 的身份是老师，而 Eric 呢是学生，应该是 Pascal 教 Eric, 但是呢到了 Patin à roulette 这个环节之上，身份颠倒了过来。Eric 他玩得非常好，并且呢说起来头头是道，在那里教 Pascal。Pascal 呢一脸的无奈 ,Quel professeur! 接着 ,Pascal tombe, 哇哦摔倒了。Pascal 他摔倒在地上 ,Eric vient près de lui,Eric 呢就溜过来了。当然这句话本身字眼里面并没有溜这个词，用的是 venir, Eric vient, 他过来了 près de lui, 来到了 Pascal 的身边 près de, 靠近某人。倒下以后呢 ,Pascal 就感慨道 Tu trouves vraiment ça moins fatigant que la marche à pied? 你真的觉得这样要比走要来的省力吗 ?Tu trouves vraiment ça moins fatigant que la marche à pied?非常好的句子，大家要多念几遍，把它背下来哦。Tu trouves vraiment ça moins fatigant que la marche à pied? À mon avis, c'est surtout le meilleur moyen de se casser quelque chose. À mon avis, 在我看来 ,avis, 这个词本身的意思是意见。À mon avis, 我的意见是什么什么，在我看来如何如何。大家以前有没有看过一个求职类节目，当中有一个去过法国的晕倒哥，他的法语说的不是那么好，然后被主持人质疑了以后呢就晕倒了。他开头的第一句就是 À mon avis, 基本上一开口就露馅了。所以大家一定要注意自己平时的口语培养哦。关键的句型要反复的念念熟。À mon avis, c'est surtout le meilleur moyen de se casser quelque chose. 在我看来呢，溜旱冰并不会比走路更加的省力。相反，它却是一个非常好的办法，可以来怎么样把身体摔骨折了。手臂摔骨折可以说 se casser le bras, se casser le bras。 腿摔折了呢可以说 se casser la jambe, se casser la jambe。 那 Pascal 究竟愿意摔折什么东西呢？他没有说，因此他说的是 se casser quelque chose。 À mon avis, c'est surtout le meilleur moyen de se casser quelque chose。Eric 听了以后呢，他说 Bon, viens, on va remettre nos chaussures et faire quelques paniers. 好，来吧，我们穿上鞋，不再溜旱冰了，穿上自己的鞋 et faire quelques paniers. 那这里又要问大家了，这里是不是要做几个篮子呢？当然不是做篮子，是投篮的意思 et faire quelques paniers. Ça va t'avantager. 诶，这什么意思？ Ça va t'avantager. Avantager quelqu'un.给予某人优惠，给予他好处。为什么 ça va t'avantager 呢？为什么去投篮会给予 Pascal 的好处呢？ Tu es plus grand que moi, 因为怎么样，你比我要高。所以虽然说 Pascal 在溜冰的时候不如 Eric, 但是 Eric 认为如果两个人去投篮的话呢， Pascal 会比较有优势一些。为什么呢？因为他个子高呀。 Tu es plus grand que moi。好，接下来请大家回看一下刚才这段课文的视频。T'as déjà fait du hockey en patin à roulette? Quelques fois, mais faut être plusieurs. De toute façon, c'est pas pour moi. Pourquoi pas? Entraîne-toi. Un peu plus vite, hein. Penche bien le corps en avant. Plie les genoux. Comme ça.
quel professeur. Tu trouves vraiment ça moins fatigant que la marche à pied? À mon avis, c'est surtout le meilleur moyen de se casser quelque chose. Bon, viens, on va remettre nos chaussures et faire quelques paniers. Ça va t'avantager, t'es plus grand que moi. T'as déjà fait du hockey en patin à roulettes? Quelques fois, mais faut être plusieurs. De toute façon, c'est pas pour moi. Pourquoi pas? Entraîne-toi. Essaie d'aller un peu plus vite, hein. Penche bien le corps en avant. Plie les genoux. Comme ça. Professeur. Pascal tombe. Tu trouves vraiment ça moins fatigant que la marche à pied? À mon avis, c'est surtout le meilleur moyen de se casser quelque chose. Bon, viens, on va remettre nos chaussures et faire quelques paniers. Ça va t'avantager, t'es plus grand que moi. Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices.好，今天的课文信息讲呢，就到这里结束了。接下来我们来巩固一下语法，一起来进入语法大挑战。在上一讲当中呢，我们曾经学过一个语法点，是对副词的否定，但是我们还没有做相应的习题来进行操练。那么现在呢，我们就做一些题，对副词的否定进行巩固加强。不过这道题它是挺有意思的，它是倒过来做的。一般我们的思维可能是该如何来对副词进行否定呢？但是这里我们所看到的已经是副词的否定句，然后让我们回到肯定的形式，用 déjà 来进行回答。大家不要小看 déjà 哦，如果加上了一些代词，甚至于加上了 passé composé， 就不是那么容易那么直观咯。好，我们一起来试一试。首先看 exemple， Tu n'as pas encore fait de tournoi， Tu n'as pas encore fait de tournoi。 Tournoi 是比赛联赛的意思，你没有参加过比赛吗？那么我们要对它进行否定，说有啊，我已经参加过了。我们首先要用一个 si j'en ai déjà fait， si j'en ai déjà fait， 注意哦，除了 déjà 以外，大家请关注 passé composé 各个组分的位置以及 on 的位置。 si j'en ai déjà fait 相当于说 j'ai déjà fait du tournoi， si j'en ai déjà fait。 好，我们开始做题。第一题， Tu n'es pas encore allé à la salle de gym， Tu n'es pas encore allé à la salle de gym，你还没有去过体操房吗？那我们要说我已经去过了，该怎么讲呢？ Si j'y suis déjà allé， Si j'y suis déjà allé， 我们有没有看到这个题目当中的 allé 后面是有个括号，当中有个为什么？因为不知道被问到的那个人到底是男性还是女性。如果是女性呢，就要在 allé 的后面加一个如果是安红老师来说，那么 allé 的后面就没有了。好，第二题， Tu ne t'es pas encore entraîné au judo， Tu ne t'es pas encore entraîné au judo， 你还没有进行过柔道的训练吗？注意哦，这里是自反动词的 passé composé 的状态，而且再加上否定，是不是看起来比较奇特的样子呢？ Tu ne t'es pas encore entraîné au judo， Tu ne t'es pas encore entraîné au judo， 回答是不是啊，我已经训练过了，我已经练过的。 Si je me suis déjà entraîné， Si je me suis déjà entraîné， 是不是变到肯定的时候会更加容易一些呢？对了，加上 ne pas 呢会更加的麻烦一些。 Si je me suis déjà entraîné。 第三题， Tu n'étais pas encore inscrit pour la prochaine compétition，
tu ne t'es pas encore inscrit pour la prochaine compétition. S'inscrire, 注册, compétition, 竞赛。你还没有报名参加下一次比赛吗？那我们要否定，我们说已经报名了。Si je m'y suis déjà inscrit, si je m'y suis déjà inscrit, 注意哦，这里有个代词 y crec, 这句话的意思是我已经报名注册了。Je m'y suis déjà inscrit. 第四题 Tu n'as pas encore gagné de match? Tu n'as pas encore gagné de match? 你还没有赢过比赛吗？为什么听起来这么惨的感觉？ Tu n'as pas encore gagné de match? 回答是 Si, j'en ai déjà gagné un. 哇、哦、这个教师用书上给出的答案也够惨的。Si, j'en ai déjà gagné un. 没有啊，我已经赢过一场了。好可怜哦，只有一场哦。Si j'en ai déjà gagné un, 注意一下这个 on 带的是什么？ on 带的是 match, 相当于说 j'ai déjà gagné un match, 我已经赢过一场比赛。那么它不是由 de 啊 de 所引导的，为什么可以用 on 来带呢？因为有数字 un match, 所以呢 Si j'en ai déjà gagné un. 第五题 Tu n'es pas encore monté sur un podium?Tu n'es pas encore monté sur un podium? 你有没有上过领奖台呢？我们这里的回答当然是要求是有上过。那我们就可以说 Si, j'y suis déjà monté. Si, j'y suis déjà monté. 有啊，我已经上过那里了。Si, j'y suis déjà monté. 同样的，如果是女性的话，那么这个 monté 最后要加一个 e。好，接下来呢，我们来做一组题，是关于最高级的。他有一个范例 Gérard Depardieu, acteur connu, 要求我们做成 C'est l'acteur français le plus connu, 这是最有名的法国演员。说的是谁呢？是 Gérard Depardieu, 他的年龄应该已经比较大了，他演过不少电影，其中被中国观众所熟知的可能有你丫闭嘴 Détour, 以及高卢英雄大战凯撒。好，总之呢，当我们看到 acteur connu, 就要把它转变成这样的一句话 C'est l'acteur français le plus connu, c'est l'acteur français le plus connu. 接下来我们正式开始做题。第一题 Les Champs-Élysées, Les Champs-Élysées 是什么地方啊？香榭丽舍大道。大家听到这个词的时候，有没有马上耳朵当中回想起一个旋律呢？Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez.这首歌它的名称就叫做 Les Champs-Élysées, 大家是不是喜欢呢？如果喜欢可以到网上去搜索一下。好，回到练习当中 Les Champs-Élysées, Avenue Prestigieuse, 什么叫做 Prestigieuse 呢？它的意思是有名的，有声望的。香榭丽舍大道是一条最有名的大街，该怎么说呢？应该是 C'est l'avenue la plus prestigieuse. C'est l'avenue la plus prestigieuse. 大家做对了吗？首先有一个名词，然后再是 le plus, la plus, 或者是 les plus, 加形容词。第二题 Le Louvre, le monument visité. Le Louvre 是卢浮宫，大家有没有去玩过呢？ Monument, 有名的建筑， visité, 被参观的。那么这道题想要大家做的呢，是卢浮宫是被参观最多的名胜古迹，参观的人数最多，该怎么说呢？应该是 C'est le monument le plus visité, c'est le monument le plus visité, 大家做对了吗？在这里 visité 是一个形容词。第三题 La Tour d'Argent, le restaurant connu, 这个餐馆的名称呢，在我们的教材当中出现过多次。La Tour d'Argent 是什么？银塔餐厅。Benoît 当初就想把伊给达带到银塔餐厅里边去吃饭，因为这是一个顶级的餐厅。那么这边的三个词呢，是 La Tour d'Argent, Le Restaurant, Connu,
那么自然是想要大家说这是最有名的餐厅，应该怎么表达？应该是 c'est le restaurant le plus connu, c'est le restaurant le plus connu. 第四题 le printemps, 春天 le grand magasin fréquenté, 哇哦，原来 printemps 不是春天呢、啊。其实我们应该更加敏锐一点，为什么呢？因为 printemps 它这里是被大写了，既然大写就说明它不是一个普通名词春天，而是一个春天百货，它是一个专有名词，对吗？在大家所在的城市有没有巴黎春天这种百货商场呢？ Le magasin fréquenté, 那么自然是想要说这是一个被最多光顾的一个大商场了。 C'est le magasin le plus fréquenté, c'est le magasin le plus fréquenté. 第五题 Le football sport populaire, 我们可以做成怎么样的句子呢？应该是这是最受欢迎的运动。C'est le sport le plus populaire. C'est le sport le plus populaire. 大家是不是同意这个观点呢？第六题 ,l'hiver, saison froide. 这一点应该没有问题了吧。冬天是最冷的季节，应该没有人反对吧。那么这是最冷的季节该怎么说呢？ C'est la saison la plus froide.C'est la saison la plus froide. 这是最冷的季节。第七题 La Loire, fleuve long. 哦，这个是一个常识哦。大家知道法国最长的河流是什么河吗？是卢瓦河。所以呢 La Loire 就是最长的法国河流了。那么那条河是最长的河该怎么说呢？ C'est le fleuve le plus long. C'est le fleuve le plus long.第八题 Monsieur X, professeur sympathique. 哦，好可爱的名字哦，叫做 Monsieur X, X 先生。X 先生呢，是我们这里最能给人以好感的老师了。C'est le professeur le plus sympathique. C'est le professeur le plus sympathique. 好，最后呢，我们来做一道题，它是让我们填写在身体部位前面的定冠词。定冠词本身是比较容易的，但是为什么要做这道题呢？一方面让大家熟悉一下身体的部位应该如何来表达，另外呢，也是为了让大家适应这种对于中国人来说也许有一点点特殊的表达方式。提示一下，第一题 bras 我们填 les bras， 因为这边单复数呢实际上是看不出来的，因为最后有个 s， 这一点呢我们就直接告诉大家了。接下来请大家填空。我们一起来看一下 Il lève les bras， 他举起双臂， Puis il penche le corps en avant， 接着呢把身体前倾， Puis il penche le corps en avant， Il touche le sol， 能够碰到地面，碰到地板，用什么呢？ Avec les doigts， Avec les doigts， 用手指可以触到地面。 Sans plier 什么什么 jambes， Sans plier les jambes，注意哦，虽然手指可以触到地面，但是不可以是通过腿弯曲的形式，因此必须是 sans plier les jambes， sans plier les jambes。 Ensuite il se redresse， 接着呢他重新站起来。这些动作大家看明白了吗？先举起双臂，然后呢身体前倾，接着手臂往下放，手指触到地面，腿不能弯曲，接着重新站起来。Ensuite, il redresse et il baisse 什么什么 bras et baisse les bras， 放下手臂。Il tourne 什么什么 tête à droite， 当然是 la tête， 对吧？ tête 肯定是单数的。Il tourne la tête à droite， 把头往右边转， puis à gauche， 然后呢头往左转。Sans tourner tout 什么什么 corps， 那么身体呢，整个身体是不能够动的，因此是 sans tourner tout le corps， sans tourner tout le corps， tout le corps， 整个身体。 Pendant tout ce temps， 在整个这段时间里面呢， Pendant tout ce temps il garde 什么什么 yeux fixé sur le professeur， 他都保持着眼睛呢固定在老师的身上，目不转睛的盯着老师看。 Il garde les yeux， 眼睛自然是复数，对吗？
il garde les yeux fixés sur le professeur. 好，这题呢就做到这里结束了。那么整个这题的名称呢就叫做 article défini devant les parties du corps。article 什么意思呢？冠词，它的意思实际上非常多，可以是冠词，可以是商品，可以是条款。但是在这里呢，指的就是冠词了。那么 article défini 定冠词，也就是 le, la, les。devant les parties du corps， 我们知道 corps 是身体 ，les parties 是部分。devant les parties du corps 就是在身体部分之前的定冠词。大家理解了没有？搞懂了没有？适应了没有呢？相信给我的答案都是 oui, oui, oui。Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices.好的，那么我们今天的课程就到这里告一段落了。同学们，我们下一次再见吧。Au revoir, les amis!